créer des stratégies et plans d'action cohérents de l'écosystème du numérique et renforcer leur cadre de collaboration. C'était l'objectif du programme Hansud Connect, dont la première phase a consisté en la rencontre de l'agence avec les directeurs des systèmes d'information, les ministères et des institutions de l'État le mardi 12 décembre 2023. Hansud Connect est une étape cruciale dans la consolidation de notre rôle en tant qu'accélérateur de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire. Nous devons être et catalyseur d'une compréhension commune entre le secteur public, les partenaires au développement et les acteurs privés pour que nos actions soient alignées les aspirations de notre nation. L'ANSUT, en tant qu'agence opérationnelle du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, a initié cette rencontre d'échange et de collaboration pour une contribution à la transformation numérique de l'administration ivoirienne conduite par le ministère de tutelle. L'ANSUT, depuis décembre 2022, a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec des innovations majeures. Il s'agit d'une nouvelle vision. C'est l'être un accélérateur incontournable de la transition numérique de la Côte d'Ivoire et un nouveau plan stratégique en parfaite cohérence avec les 7 piliers de la stratégie nationale numérique dénommée Hansud Connect 2023-2027. La Côte d'Ivoire engagée sur la voie de la transformation numérique, l'Agence nationale du service universel des télécommunications a élaboré et fait adopter par son conseil d'administration un nouveau plan stratégique 2023-2025 depuis décembre 2022.